petits observateurs, j'avais envie de vous parler à Genève de la Polestar, parce que ça, vous ne la verrez pas pour une raison simple, elle n'est pas pour le moment disponible en France. Et en fait, c'est Volvo qui lance sa branche électrique en Chine, dans les pays nordiques. Et ils se dissocient de Volvo, c'est ça qui est intéressant. Ils ont leur concept à eux. On a même parlé avec les gens de Volvo, ce n'est pas la même direction, etc. Mais je voulais vous la montrer parce que c'est une voiture 100% électrique. Mais souvenez-vous, tout le renouveau de Volvo avait commencé par un concept car d'un coupé. Et en fait, qui n'est jamais sorti, mais pour la version 100% électrique, ils ont repris en fait ce coupé que je trouvais magnifique. Souvenez-vous, après, il y avait eu le break. Et il est là aujourd'hui. Et ben, je suis content de voir... Tu te souviens du coupé Volvo ? Qui était sublime. Le concept. Volvo, il n'y a pas eu droit, mais la version 100% électrique. Alors, ils font leur DS à eux. Hein, c'est leur DS à eux, Polestar. L'étoile du Nord. On va aller la voir de plus près. Mais non, mais je suis content de la montrer, de la filmer, parce qu'on ne la verra pas en France, celle-là. C'est que les marchés chinois. Nord-américains, je crois aussi, quand même. Même pas au début. C'est des pays nordiques et 100% électriques. C'est leur... merci, Elon. Ah non, non, mais c'est... J'ai 100 voix. Et hein. Merci, Elon, puis jusqu'à la poignée de porte, qui décidément ouais. La signature Tesla qui repart. Non, mais attends. C'est la voiture du saint. C'est une voiture cinématographique, c'est une voiture formidable, c'est le 21e siècle, moi je l'adore. Non mais attends. Tant mieux que ça existe. Viens, on va aller la voir, on va aller la voir. Non, mais attends, viens. Mais t'as dit un truc tout à l'heure, je suis tombé de ma chaise. Tu me l'as pas dit devant le X4, mais tu m'as dit, ouais, BM, ils ont pris un coup de vieux au niveau des intérieurs, même toi tu me l'as dit. Voilà, en gros, la tendance, c'est IP, c'est ces voitures-là, on a beau dire ce qu'on veut. C'est des intérieurs en fait. On va voir épuré, comment ils le font. Zen, de plus en plus doux. Avec un écran qui fait tout. Et en fait, c'est une manne et surtout un bonheur inouï pour les stylistes. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte de l'autre côté? Parce qu'enfin, tu peux faire. Est-ce que ça s'ouvre là? Essaye, toi qui as des relations. Je le fais par ergonomie. Hein. Ah, vas-y, mets-toi dedans. Oh là, ah, c'est beau avec le toit en verre. Ah ouais, regarde avec le petit beau. Polestar là. Regarde là. Bonjour monsieur. Non, c'est très non, mais beau. C'est pas mal quand même. Moi, je vous trouve. Oh là là. Alors, c'est très Volvo, hein, mais c'est. Ouais. Non, mais moi, ils me racontent ce qu'ils veulent. C'est pas Volvo, machin, mais moi, c'est Volvo. Mais franchement, ah, regarde, avec un toit en verre et un intérieur clair, mais c'est incroyable qu'il faut être du Nord pour faire des intérieurs, pas à la germanique. Ah ouais, c'est Volvo, mais c'est joli avec les... Non, je pense que ça va valoir une blinde. Il y a un truc à la con, qui est inexplicable. Vas-y, nous, c'est que tu les trucs à la con chez PO. Tu t'assois et tu te sens bien. Mais ouais. Et ça, c'est. Putain, Volvo en ce moment, c'est. On a vu le V60 tout à l'heure, mais enfin, ça méritait de le monter. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là comme info? Toi qui as des Polestar. 600 horsepower. Ils disent pas. Alors là, t'as un 4 cylindres supercharge. Deux moteurs électriques. Ah, ça sera une hybride? Elle est hybride là. T'es sûr? Mais... Et alors, elle ne sera vendue que par le digital. Il faudrait qu'on regarde. Tu sais? Que sur Internet. Tu me la prends. Regarde, là, on dirait une Mustang. Enfin, franchement, c'est sympa, on va pas bouder. Plaisir. Petit machin, tiens, regarde le monde moderne aussi. Diamond Curve, j'adore les noms. Glossy Black. Check, check. Regarde, Specification. Torque. Bon, ben, on saura bien qu'il y a deux moteurs électriques. Ouais, t'as raison, il y a un 4 cylindres de litre. Ouais, trompé, donc, gars, c'est une hybride, ouais. C'est dommage, on pensait qu'elle était 100% électrique. Bah, c'est ce qu'ils nous avaient raconté. Ben voilà, POA, parfois, il y a peut-être deux versions en même temps. Il y aurait une version 100%. C'est énorme. Ouais. J'adore, regarde, il s'est habillé comme le saint. Ah ouais, mais tu crois que c'est de série comme ça? Oui. Belle auto.